Bonjour, je m'appelle Sophie. Et ça, c'est Emma, et il est l'heure d'aller dormir. Ne pleure pas, Emma, ne pleure pas. Fais dodo, cola, mon petit frère. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Avec ce bruit, il faut la bercer plus fort pour qu'elle s'endorme. Peppa! Il faut aller la réparer maintenant. Je vais aller chez les voisins, je pense qu'ils peuvent m'aider. Ne pleure pas, petite Emma. Tout va bien se passer. Oh là là, tous ces bruits commencent à me faire mal à la tête. J'ai bientôt fini. Je vais pouvoir mettre le tableau en place. Waouh, super beau. Barbie, Ken, vous avez bientôt fini? Salut Sophie, on a déjà fini. Regarde, Ken a accroché le tableau. Ah, c'est donc la perceuse qui faisait ce bruit. Votre tableau est très beau, mais la perceuse empêchait Emma de dormir. On est vraiment désolé pour le bruit. Ken, tu peux aider Sophie? Oui, bien sûr. J'ai absolument tout ce qu'il faut. Il faudrait raccrocher cette partie sur le lit d'Emma. Ok, j'ai compris. Alors, je vais avoir besoin du tournevis et du marteau. Ma chérie, je reviens bientôt. Sophie, allons-y. Allons-y. À tout à l'heure. Hop, encore un peu. Hop là. Comme neuf. C'est bon, j'ai fini. Merci beaucoup. Dors bien, ma petite Emma. Chut. Emma s'est endormie. Maintenant, il ne faut pas faire de bruit. Bien sûr. Vous avez encore besoin de mon aide? Oh, oui, Ken. Il faudrait réparer l'évier dans la salle de bain. Oh, oui, bien sûr. Je m'en occupe. Alors, on visse un peu. Comme ça, voilà. Et de l'autre côté aussi. Il faut réparer le pommeau aussi. Et maintenant, tout marche. Peppa, c'est bon, j'ai fini. Merci beaucoup, Ken. Allez, maintenant je rentre à la maison. Salut. Au revoir, Ken, merci. Salut, Ken, merci beaucoup. Vous aussi, ne faites pas de bruit. Emma est en train de dormir. À la prochaine fois. Salut, salut.